Merci. Ça m'aura donné une bonne leçon. Entrez. Charlotte, voilà les résultats de l'enquête d'occupation de parts de marché que vous aviez demandé. Oh. Eh bien, tu n'as pas déçu mes attentes envers toi. Merci bien. Ah, oui. Judith, comment elle s'en sort? Est-ce qu'elle s'entend bien avec les autres membres? Hein? Je veux dire, l'esprit d'équipe du service est essentiel. J'ai peur qu'à cause de ses relations avec les hauts placés, elle mette un frein à cet esprit d'équipe. Oh, tout le monde a un bon avis sur elle. Parce qu'à la dégustation, elle s'est bien débrouillée. Tout le monde plaisante en disant qu'elle a sauvé le monde. Oh, c'est vrai? Je suis rassurée alors. J'avais peur que les autres membres ne l'aiment pas à cause de certaines rumeurs. Comment est-ce possible? Il n'y a pas de raison. Il y a quand même des raisons. Ah mais bon, puisque tu dis tout ça, je ne m'inquiète pas. Je vais même devoir te demander de l'aider. Oh, d'accord. Si jamais il se passe quelque chose, je vous le rapporterai. Si elle veut se battre, je vais l'accompagner. Je vais voir un peu combien elle va tenir. Je vais montrer à tous mes collègues le vrai visage de Judith Lee. Qu'est-ce qu'il serait beau, Julien, habillé comme ça. Oh, ça c'est beau aussi. Oh, si moi, Julien, portait ce genre de vêtements, il serait trop beau. Léna. Oh, Thomas. Pourquoi Judith n'est pas à son poste pendant les heures de travail? Notre service vient d'être formé, c'est raisonnable ça? Qu'en dis-tu? Judith a été envoyée faire des études de marché par Charlotte et elle n'est pas encore revenue. Quand elle reviendra, qu'elle vienne dans mon bureau. Oh, d'accord. Ah oui. La prochaine fois que tu fais ça, que je ne te vois pas. D'accord, je comprends. Eh, Thomas? Il faut que je vous dise quelque chose. Viens dans mon bureau. Oh. Qu'y a-t-il? Parle. Thomas,
Il paraît que vous êtes trop occupé pour prendre part aux réunions. C'est vrai, ça? Si je vais aux réunions, Charlotte pourrait être gênée. C'est pour que tout le monde soit productif que j'ai pris cette décision. Oui, mais je pense que quelqu'un de précis dans notre service se fait tout le temps malmener. Je ne pense pas que je puisse régler ce problème. Thomas, aujourd'hui, Charlotte a vraiment réprimandé Judith, est-ce que tu es au courant? Elle est en train de faire son enquête toute seule dehors. Ne penses-tu pas que cela n'aidera pas Judith, qui n'a aucune connaissance en marketing? Mais moi, je crois bien. Oh là, Thomas, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Cette Charlotte, elle fait ça pour se venger. Lena Zhang. Dans l'entreprise, tu ne me tutoies pas. Je suis ton supérieur. À ton poste actuel, critiquer la décision de ton chef, c'est une faute très grave. Fais attention. Oui, oui. Je ne me mêlerai plus des affaires de Judith. Plus jamais. 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 Tu l'as reçu ou pas? Ça, impossible. Tu l'as reçu aussi? Ah. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Qu'est-ce que c'est que ça? Impossible, ça. Je ne m'en occupe plus. Du shopping. Hein? J'aime bien celui-là. Julien sera super beau là-dedans. Très bien, restons-en là. Mais que ça ne se reproduise pas pour cette affaire. Monsieur Reux, vous devez bien gérer vos subordonnés. Vous ne pouvez pas les laisser faire ce genre de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout se passait très bien au début. Depuis que Judith était là, c'est la pagaille. Allô? Oh, allô, bonjour. Excusez-moi, c'est Monsieur He. Qui est-ce? Bonjour, c'est Cindy Xia. Qui? Je vous avais vu à cause de l'affaire de la dégustation. Vous m'avez donné votre carte. Oh. Qu'y a-t-il? Vous m'avez dit que tant que votre femme sortait innocente, vous me trouveriez un travail. Mais je n'ai pas eu de vos nouvelles. Donc je me permets de vous appeler. Mademoiselle Xia. Est-ce que vous me pressez pour vous trouver un travail? Oh, pas du tout, non, ce n'est pas ça. C'est parce que je suis un peu pressée, j'ai un loyer à payer. Mademoiselle Xia, je suis l'un des dirigeants de ADA Café. Pensez-vous que je peux me rétracter après une promesse? Je ne voulais pas dire ça. Bien, si je vous trouvais un travail maintenant... Ne serait-ce pas avoué à quelqu'un, notre petite entente secrète? Attendons, actuellement ce n'est pas le moment. Je suis occupé, je raccroche. Ces nouveaux modèles ne sont vraiment pas mal. Et celui-là, celui-là et aussi celui-là. Emballez-les-moi. Madame ? Voulez-vous voir nos nouveaux arrivages d'hier? Ils ne sont pas encore notés sur le catalogue. Ça vous intéresse? Bien sûr que oui. Allez les chercher. Très bien. Fanny, je te l'ai déjà dit 10 000 fois. Quand je suis dehors... Tu vas rester combien de temps dehors? Quelle heure il est, là? Tu ne rentres pas? Mais non, André, mon groupe d'amis, elles veulent absolument sortir. Je ne peux rien y faire. Les nouveautés. Comment ça, les nouveautés? Est-ce que tu es encore parti faire du shopping? Ah, mais non. Avec quel argent? Je n'ai pas un centime à moi. Tu m'as donné une carte avec un plafond trop bas. Je ne peux même pas m'acheter un sac. D'accord, d'accord. Ne perds pas de temps. Reviens vite. Tu manques à Zoé.
Reviens vite la voir. Ah, d'accord, d'accord. Je reviens tout de suite. Alors, je suis vraiment désolée. Depuis que mon mari est tombé malade, il a mauvais caractère. Je n'y peux rien. Ah oui, vos nouveaux arrivages sont vraiment jolis. Tout cela là-bas, emballez-les-moi. Comment réglez-vous ? En carte de crédit. Qu'est-ce qu'elle a acheté ? Encore 50 000 ? Qu'y a-t-il, chérie ? Elle t'a aussi téléphoné ? Ah, Maud, elle t'a appelé ? Maud ? Mais non, je parle de Cindy Shia. Cindy Shia, t'as téléphoné ? Je lui avais promis un travail, tu sais. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Mais elle m'appelle tous les jours. Mon chéri, désolé. C'est à cause de moi, tous ces problèmes. C'est rien. Allez, viens. Aujourd'hui, Charlotte a vraiment réprimandé Judith. Est-ce que tu es au courant de ça? Elle est en train de faire son enquête toute seule dehors. Ce n'est pas une enquête qui va me vaincre. Mais comment faire le rapport ? Je n'ai écrit que des essais à l'université. Mais jamais de rapport. Je ne sais pas faire ça. Mais tu n'as pas écouté mes conseils au début. Et tu es restée à ADA. Chef. Personne ne veut que tu deviennes une experte ici. On en a beaucoup des experts. On ne manque pas tant de gens chez ADA. Tu n'as pas besoin de te mettre tant la pression. Fais du mieux que tu peux, et ça suffira. Oui, mais je... Aussi, on n'apporte pas à manger au bureau. Oh. Oh, désolée, je ne le ferai plus. Suis-moi. Je te dis de me suivre. Je vous en prie. Un menu à la française. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Chef, je... Je vous avais dit que... Pas la peine. Je sais déjà ce que tu vas dire. Ton travail maintenant, c'est de bien manger. Si après tu ne veux pas que je te traîne encore, ne mange plus ces encas qui ne nourrissent pas.
Est-ce que vous lui avez donné une carte dans mon dos? Hein? Mais non. Alors d'où lui vient cet argent? Elle revient tous les jours avec plein de sacs, hein? Tu l'as vu? Tu me croyais sourd, toi? La sonnette sonne plusieurs fois. C'est pour te livrer des trucs. Parle. D'où te vient l'argent? Je n'ai pas d'argent. Tu as gelé tout mon argent. Tu vas m'empêcher de sortir? Papa, Maud a acheté ça pour moi. Ah oui, 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 oui. Tu pensais que c'était pour moi? Je voulais remercier tous les gens qui aident Hugo pour sa promotion, donc j'ai demandé à Maud d'acheter tout ça. Ah oui. J'ai bon goût, pas vrai? Oui, tous nos amis sont très contents. Puisque tout ça, c'est pour le travail, je ne dis rien de plus. C'est normal de faire des cadeaux. Mais il faut faire attention que les gens du groupe Marou ne parlent pas sur nous. Tu t'inquiètes toujours pour rien. Pas étonnant que tu ne te remettes pas. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? C'est une mauvaise habitude de trier. Je n'aime pas le maïs. Laisse-la faire. Elle n'a jamais aimé le maïs. C'est parce que tu la laisses faire. Elle trie son assiette. Ah, ce n'est rien. Elle mangera de tout une fois grande. Pas vrai, Zoé? Tu en mangeras, hein? Les enfants changent. Pas d'inquiétude, hein? Ah oui, Charlotte. Demain, allons voir un peu les manteaux de fourrure. Je ferai ce que vous voulez. Génial. Ah, je suis de bonne humeur dernièrement. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu as mal? Allons à l'hôpital demain. J'ai déjà pris rendez-vous. Je vais te faire un thé chaud. Tu le bois et tu dors. Oui, merci. Je mange un excellent dîner. J'ai bien fait le plein d'énergie. On reprend courage. On finit ça au plus vite. Brigitte, il paraît que tu t'es disputé avec Thomas. Maintenant, il ne t'aide plus. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je n'ai rien du tout à voir avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que je suis aveugle? Brigitte, en vrai, les hommes, des fois, on dirait des enfants. Ils boudent un peu. Donc, il faut que tu fasses des caprices. Les femmes capricieuses sont heureuses, tu sais? D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Hein? Tout va bien pour moi maintenant. Maman, je vais travailler. Je te ramène des bonnes choses, hein? Et Zoé,
Mais où est passée Zoé? Maman, Zoé te manque? Bien, je te promets. Je ramènerai Zoé au plus vite. C'est vrai? Super. J'aime bien Zoé. Bon, j'y vais. Judith! Courage! 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 Bonjour tout le monde. Judith, bonjour. Hé, Léna. Il s'est passé quelque chose? J'ai l'impression que c'est bizarre. Je trouve aussi ça étrange, mais je ne sais pas. Ah oui, merci beaucoup de m'avoir préparé un vocabulaire du marketing. Judith, désolée, hier je voulais vraiment faire le contrat avec toi, mais beaucoup de travail m'a été confié donc je pense que Charlotte me garde à l'œil. Désolée, c'est à cause de moi. Oh là, c'est bon. Maintenant j'espère qu'on pourra vite se défaire des griffes du premier service pour faire nos projets seuls. Eh, ah oui. Aujourd'hui, Thomas ne devrait pas venir en réunion. Si Thomas était là, cette Charlotte ne pourrait pas faire ce qu'elle veut de notre deuxième service. On ne peut pas vraiment le blâmer. J'ai vraiment beaucoup de profondes lacunes. Hé, Léna, est-ce que tu peux regarder ça pour moi? C'est le premier rapport que j'écris. Je ne sais pas comment c'est. Tu es trop forte. On dirait que les études de marché sont plutôt utiles. Je pense que ces documents seront d'une grande aide pour notre stratégie marketing. C'est vrai? Alors ça me rassure. Même Charlotte devra l'admettre. Merci beaucoup, Léna. Judith, Thomas est là. Ne t'inquiète pas cette fois. Monsieur Lin est venu à la réunion, je suis un peu stressée. Les dirigeants m'ont demandé d'apprendre de vous au plus vite. Puisque les dirigeants vous l'ont demandé, la réunion devra être encore plus efficace. Mademoiselle Lee, hier vous avez fait votre enquête de marché dehors, c'était dur, non? Oh, ça va. Voilà mon rapport d'enquête. Je manque d'expérience en marketing. À l'avenir, je redoublerai d'efforts. Votre acharnement doit être félicité. Mais on dirait que ça n'a aucune utilité pour nous. Désolée, Judith. Nous développerons notre stratégie marketing en fonction du rapport d'enquête de Viviane. Tout le monde a l'air si triste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On peut boire du thé? Détendre l'atmosphère, d'accord? Mademoiselle Lee, je crois que vous n'avez pas participé à la réunion d'hier. Ce sera dur pour vous de suivre celle-là. Donc, pourriez-vous préparer des boissons pour tout le monde? Oui. Charlotte, bien que Judith ait des lacunes en marketing, mais elle a beaucoup de capacités. Vu qu'elle a manqué la réunion hier, elle doit d'autant plus suivre celle-ci, non? N'est-ce pas, Thomas?
Charlotte a raison. Judith a tout à apprendre. Elle doit travailler dur. Très bien, commençons. Ce n'est rien. Vous pouvez y aller. Je vais vous préparer à boire. Heureusement que je connais le café. Oh, si j'avais su plus tôt, quand j'ai su que je serais transférée, j'aurais dû étudier un peu plus le marketing. Que c'est dur de gagner de l'argent. Allez, Judith. Voilà un café pour l'énergie. Un café pour vous. Ça ira, merci. Voilà un café. Ça ira, merci. Est-ce que tu... Merci, Judith. De rien. Alors, la réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Vous pouvez y aller. Là, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, les gens comme Judith, ils le cherchent. Pourquoi tu parles d'elle comme ça? Eh, tu ne savais pas? Tu n'as pas vu l'email? Email? Quel email? L'email à propos de Judith Lee. Eh, écoute-moi, arrête de l'aider, tu risquerais de te faire avoir. Qu'on ne te soupçonne pas toi aussi. Me soupçonne? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vouliez me voir? Pour la réunion tout à l'heure. Ce n'est rien. Vous avez raison. C'est vrai, je dois encore apprendre sur beaucoup d'aspects. J'ai parcouru ce rapport. En fait, il était vraiment bon. C'est vrai? Il y a tant d'endroits qu'on pourrait changer. Je te les ai marqués. Fais attention plus tard. Merci, chef. Aussi, les documents que t'as préparés, Léna, ne suffisent pas. Prends ce manuel de marketing. Tu pourras faire face à Charlotte avec ça. D'accord. Je vais bien me pencher dessus. Des fois, devant l'ennemi, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Tu peux y aller. Oh, ah oui. Dans le bureau du deuxième service, on peut porter des baskets. D'accord, je vois. J'y retourne. Judith, Judith, je sais enfin pourquoi tout le monde t'ignore aujourd'hui. Pourquoi ça? Tout à l'heure à la réunion, Viviane m'a dit qu'un email sur toi avait circulé dans tout le service.
Email ? Et tout le monde l'a reçu enfin ? Mon Dieu ! C'est... qui l'a envoyé ? Tout le monde a reçu cet email, c'est ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Pour détruire ton ex-mari et entrer dans l'entreprise, saboter la dégustation, casser le torréfacteur. Judith, je pense qu'on doit envoyer la vidéo que tu as filmée ou de service pour que tout le monde la voie. Comme ça, ça dissipera le malentendu. Est-ce qu'on appelle Julien pour qu'il nous emmène la vidéo ? Mais je n'ai déjà plus la vidéo. Comment ça ? Elle est si importante. Comment tu as pu t'en séparer ? Les ressources humaines ont dit que si on gardait cette vidéo, ça pourrait peut-être nuire à l'image de Adéa. Donc je l'ai supprimée. Comment faire ? Peut-être que même Thomas a reçu cet email. C'est vraiment horrible. Comment faire ? C'est rien. Tant que je suis honnête, tout le monde fera forcément la vérité un jour. Judith, maintenant on dit n'importe quoi sur toi, les rumeurs circulent. Comment tu peux être si calme ? Charlotte. Charlotte, je dois vous dire quelque chose. Je suis un peu occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde au service marketing pense qu'on ne peut plus travailler avec Judith. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un mail anonyme qui est arrivé dans les boîtes mail de tout le service. Dans le contenu, il est dit que Judith est mal intentionnée et voulait saboter la dégustation. Et il y a aussi des rumeurs sur sa relation avec Thomas. Viviane, si vous recevez ce genre de rumeurs, vous devez me le rapporter tout de suite. Je me disais que tout le monde avait l'air morose. Même si c'est sa vie privée, tout le monde pense qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a entaché son humeur comme si de rien n'était. En plus, ça influe sur vous aussi. Merci. Si nos collègues s'opposent tous à travailler avec Judith, je ne peux rien faire. Voilà, va récolter les opinions de tout le monde et je les rapporterai aux supérieurs. Merci beaucoup, Charlotte. Mais qui est-ce qui a envoyé ça au juste ? J'espère que ce n'est personne qui jalouse notre service. Rien de tout ça ne peut sortir d'ici. Va le dire aux autres. D'accord, je comprends. Vu comment s'est passée la réunion, Judith a perdu le soutien de Thomaline. Tu veux jouer sur mon terrain ? Judith, tu vas voir un peu. C'est très bien comme ça. Il est plutôt beau et il a l'air riche. Cette femme est maligne. Si jamais on était découverts, tous les deux, on sera fichus. C'est ton vieux Gaspard qui t'aide là ? Ne t'inquiète pas. Tant que tu as l'argent, c'est bon. Prends quelques photos présentables. Pas de soucis. Tu dois faire attention. Si elle sait que je l'ai fait, elle va courir vers Hugo et elle va lui dire tout ce qu'elle sait. Elle en est capable. Ne t'inquiète pas. Rien de tout ça n'arrivera. Si je me mets au travail, tu pourras dormir tranquille. Je te fais confiance. Excusez-moi, est-ce que Monsieur Hugo Ho est là ? Vous avez rendez-vous ? Non. Veuillez lui dire que Cindy Chia est là. Il devrait me voir. Oh, désolé. En fait, Monsieur Ho est déjà sorti.
Vous voulez l'attendre? Non, alors. Si Monsieur He ne veut pas me voir, je vais aller voir Madame Zhou. Veuillez le dire à Monsieur He, puisqu'il ne répond pas à mes appels. Je vais voir Madame Zhou alors. Quand est-ce que votre ventre vous fait mal? Dès que je suis un peu trop stressé, ça me fait mal. Ça part du bas vers le haut. Des fois, je n'arrive même plus à respirer. Et quand vous urinez, est-ce que vous sentez que ça pèse? Oui. Surtout quand j'ai bu de l'alcool. Et quand je suis trop stressé, j'ai cette sensation. Bien. Faites une échographie, à la palpation. Je ne décèle pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Pas de panique. Attendons d'abord les résultats d'examen. Oh. Hé, Cindy, qu'est-ce que vous faites là? Oh, eh bien... Comment allez-vous depuis? Vous le faites exprès, pas vrai? À cause de ce que j'ai fait. J'ai été virée. Maintenant, je suis au chômage. Hein? Je ne suis pas au courant. Je pensais que vous étiez serveuse. Qu'est-ce qu'il voudrait de moi, celle qui fait des choses dans le dos des gens? Ne dites pas ça de vous. Tout le monde fait des erreurs. Vous n'êtes pas mauvaise. Vous avez été utilisée par quelqu'un de mauvais. En fait, Monsieur He m'avait dit que si je montais au comité d'enquête de l'entreprise, il me trouverait un meilleur travail ailleurs. Donc, j'ai pris toute la responsabilité sur moi. Maintenant, Monsieur He ne prend même plus mes appels. Madame Zhou ne veut pas me voir. Je suis juste le pion qu'ils ont jeté après avoir utilisé. Ils vont trop loin. Pas étonnant. Je me disais que Charlotte avait fait une si grosse erreur. Comment elle avait pu s'en sortir? J'ai fait face à tout ça toute seule. J'ai perdu mon travail à cause de ça. Je n'ai même plus de rêve. J'ai grandi dans les champs de café. Cela fait des années sans pub et on vend les cafés à l'étranger à bas prix. Donc on est toujours aussi pauvre. Je suis le seul espoir de mon village. Avant, je l'avais promis à tous les villageois. Je rentrerai dans une grande entreprise de café et je leur ramènerai beaucoup de nouveaux clients. Mais maintenant, tout est fini. Mais non, vous avez encore le temps. Vous ne devez pas abandonner. Voilà. Attendez-moi là un instant. Ne partez pas surtout. Je vais demander à quelqu'un, peut-être, qu'il pourra vous aider. Attendez-moi, une minute. Ne partez pas, hein. Chef, voilà tout. Savez-vous s'il y a un succursale ou un café affilié a besoin d'un barista expérimenté? Est-ce que tu abandonnes si facilement? Non, ce n'est pas pour moi. Vous vous souvenez encore de Cindicia, qui a remporté le 2e prix au concours de recettes? Elle a été congédiée officiellement. Je veux juste l'aider à revenir. En plus, je pense qu'elle est meilleure que moi. Elle a aussi beaucoup d'imagination. Écoute-moi bien, Judith. Trop de bienveillance, ça ne fera que sonner faux. En plus, elle a failli te détruire. Tu as oublié ce qu'elle t'a fait à la dégustation? Je pense que tout le monde peut faire des erreurs. En plus, sa vie est difficile en ce moment. Vous êtes la personne avec le plus de pouvoir que je connaisse. Je vous en prie, aidez-la un peu. Mais non, je ne peux pas rester là à attendre. Si ça continue, tous les membres du service vont avoir des problèmes. Thomas, après avoir vu ce mail, tu dois aider Judith. Peut-être que maintenant, Judith est quelque part toute seule en train de pleurer. Cindy, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez faire pour nuire à Judith? Léna, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Judith, tu as oublié à cause de qui tu as été accusée à tort et que le service t'exclut? Exclut? Oui, à cause de toi. Maintenant Judith est devenue celle qui a saboté la dégustation et a cassé le torréfacteur. Ah là, c'est bon. C'est rien. Ce n'était qu'un malentendu. Cindy, je viens de demander à notre directeur.
Attendez une bonne nouvelle. Show